Bonjour à tous, la déferlante de l'intelligence artificielle ne fait que commencer et bien évidemment tout le monde a en tête le parcours extraordinaire de Nvidia en bourse, Nvidia qui est la valeur que les investisseurs ont porté au nu pour jouer l'intelligence artificielle depuis novembre 2022. La question, c'est comment la jouer dans les mois à venir? Faut-il continuer à privilégier Nvidia et les fabricants de semi-conducteurs? Autrement dit, ceux dont les puces fournissent la puissance de calcul sans laquelle l'intelligence artificielle n'existerait pas. Où faut-il commencer à tourner son regard ailleurs? Vaste sujet qu'aujourd'hui nous allons modestement essayer de traiter. Et quand je dis nous, c'est Synapse et Christian Parizeau d'Altaïr Economics, avec lequel nous coproduisons ce contenu. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas, si vous désirez accéder à des contenus exclusifs, de vous abonner via le lien en haut à droite dans la vidéo ou dans la description sous la vidéo. Et si vous souhaitez notamment créer votre entreprise, vous pouvez découvrir les services de notre partenaire LegalPlace, toujours sous la vidéo, et profiter d'un code promo Synapse. Pour commencer, revenons au début de cette frénésie autour de l'IA. Cela plantera le décor. On s'en souvient, c'est la sortie de ChatGPT fin novembre 2022 qui a mis le feu aux poudres et lancé la vague boursière de l'intelligence artificielle. Permettre au grand public d'interagir avec l'IA générative qu'est ChatGPT a fait comprendre à chacun que nous sommes dans les prémices d'une révolution technologique majeure qui non seulement redessine le champ économique, mais induit des bouleversements sociologiques et anthropologiques peut-être inégalés dans l'histoire de l'humanité, bouleversements à côté desquels l'irruption d'Internet ne passera peut-être que pour une anecdote rigolote. Quoi qu'il en soit, du côté des marchés financiers, on ne se pose pas de questions métaphysiques. Les investisseurs perçoivent à juste titre l'IA comme une rupture, or chaque rupture apporte son lot d'opportunités. La bourse s'est donc engouffrée sans retenue dans la thématique. Et encore une fois, sans doute à raison. Quelques chiffres qui donnent le vertige pour s'en convaincre. Le marché de l'intelligence artificielle avoisinait d'ores et déjà les 200 milliards de dollars en 2023, à en croire le bureau de recherche Precedence Research. Au dire de Goldman Sachs, les investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle pourraient totaliser, sur le long terme, aux États-Unis, l'équivalent de 2,5 à 4% du PIB américain. Alors, pour être moins abstrait, sortons la calculette. Le PIB des États-Unis s'élève à 27 trillions de dollars, c'est-à-dire 27 000 milliards de dollars. 4% de 27 trillions nous donne 1 trillion de dollars, soit 1 000 milliards de dollars. Et si on part sur l'hypothèse la plus basse, celle de 2,5%, eh bien ça représente quand même 675 milliards de dollars. Pour le reste du monde, Goldman Sachs imagine que les économies qui investissent le plus dans l'IA y consacreront entre 1,5 et 2,5% de leur PIB. Statista, de son côté, estime qu'en 2030, le marché mondial de l'IA s'élèvera à près de 1 900 milliards de dollars. On est donc au début d'une authentique lame de fond. D'ailleurs, et c'est logique, la thématique se diffuse dans le monde des entreprises également. C'est ce que nous montre ce graphique qui met en exergue le pourcentage d'entreprises du Russell 3000 qui mentionnent l'IA lors de la publication de leurs résultats. Le Russell 3000, je le précise, est un indice composé des 3000 plus grandes sociétés américaines. Si en 2016, un peu moins de 1% de celles-ci évoquaient l'intelligence artificielle à l'occasion de leur publication, elles sont aujourd'hui 16% à le faire. Et comme on peut le voir sur cette courbe, ChatGPT agit comme une prise de conscience, puisqu'en un an, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, le nombre d'entreprises du Russell 3000 mentionnant l'IA a doublé. L'adoption de l'IA s'accélère, les chiffres anticipés donnent le tournis, et on peut supposer, sans grande chance de se tromper, que les prévisions d'investissement ne fassent que gonfler. On connaît la musique, c'est toujours comme cela que ça se passe quand les marchés financiers commencent à rêver les yeux ouverts. Pour notre part, nous allons essayer de rêver un peu moins et surtout de garder les pieds sur terre. Pour ce faire, nous allons tout d'abord voir petit a si l'IA est surjouée par les investisseurs et petit b comment ils l'utilisent dans leur stratégie d'investissement. Commençons par le petit a. L'IA est-elle surjouée par rapport au reste du marché? Vous avez sous les yeux les 7 magnifiques de l'IA versus le S&P 500, c'est-à-dire l'indice américain de référence qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous n'ignorez pas que l'on désigne d'ordinaire par les 7 magnifiques Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla.
Toutefois, lorsqu'on parle des sept magnifiques de l'intelligence artificielle, on se réfère ici à un autre ensemble de valeurs. Un groupe dans lequel on retrouve certes Microsoft, Amazon, Alphabet et Nvidia, mais où l'on intègre AMD, Micron Technologies et Marvell Technologies, trois acteurs majeurs de l'industrie des semi-conducteurs. Bien sûr, il existe tout un tas d'autres entreprises actives dans le domaine, mais nous n'avons retenu que les principales capitalisations. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, ces 7 magnifiques de l'IA ont compté pour près de 93% de la hausse du S&P 500, selon les calculs de Christian Parizeau. Ce qui veut dire que le thème de l'intelligence artificielle explique à lui seul les plus hauts historiques du S&P 500. L'écart de performance entre ces 7 magnifiques de l'IA et le S&P, depuis novembre 2022, est également criant avec 70% de surperformance pour nos 7 magnifiques de l'IA. On pourrait se dire, au regard de ces données, que la thématique est bel et bien surjouée. Toutefois, une thématique surjouée peut le rester un certain temps. Plus intéressant pour une stratégie d'investissement est de comprendre comment et en fonction de quoi l'appétence pour l'intelligence artificielle fluctue. À quel moment cette appétence s'avère la plus intense? C'est notre petit B si vous avez bien suivi. Vous avez donc sous les yeux, une fois de plus, en orange sur le graphique, l'indice des 7 magnifiques de l'IA, rapporté cette fois à l'indice des surprises économiques calculé par Citigroup. Ce dernier mesure le degré de surprise par rapport aux indicateurs d'activité publiés dans le monde. Plus cet indice décroît, plus on a de mauvaises surprises sur l'économie mondiale, et inversement, lorsqu'il est en hausse, cela signifie que les chiffres publiés dépassent les attentes des économistes. Le rapport entre l'indice des 7 magnifiques de l'IA et l'indice des surprises économiques livre une piste d'analyse intéressante. Et je dis bien une piste d'analyse car l'honnêteté intellectuelle nous pousse à dire que la période observée est probablement un peu courte pour tirer des conclusions définitives. Quoi qu'il en soit, selon les calculs de Christian Parizeau, il existe une corrélation inverse de 75% entre ces deux courbes. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque l'on a plutôt des mauvaises nouvelles, des mauvaises surprises économiques, eh bien ça donne un coup de boost, un coup de fouet à l'indice des 7 magnifiques. Autrement dit, si l'incertitude économique s'accroît, que la visibilité sur la croissance mondiale se réduit, alors les investisseurs ne vont pas se tourner vers les valeurs ou les secteurs cycliques, les plus volatiles et les plus sensibles à la conjoncture. Non, ils se réfugient dans l'intelligence artificielle. L'IA est non seulement un pays de cocagne qui fait rêver les investisseurs, mais c'est aussi pour eux une sorte de refuge quand la visibilité sur la croissance mondiale diminue. Autrement dit, si la croissance mondiale est faible et que la visibilité est réduite, la thématique de l'IA risque fort de surperformer. Inversement, si nous avons des bonnes nouvelles sur le front économique, que les banques centrales baissent les taux rapidement et que les perspectives de croissance s'améliorent, les vents seront peut-être un peu moins porteurs pour l'intelligence artificielle par rapport à d'autres secteurs, d'autres types de valeurs. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faille faire l'impasse sur elles. Juste que dans ce cas-là, il faut rééquilibrer les portefeuilles en faveur d'autres typologies de valeurs ou de secteurs. À présent que nous avons vu à quel moment la thématique était la plus susceptible de surperformer, reste à voir au travers de quel type de valeur la jouer. Nous discernons trois grandes catégories de parties prenantes aujourd'hui dans l'univers de l'IA. La première catégorie, ce sont les fabricants de la matière première, à savoir les concepteurs et fabricants de la puissance de calcul, et nous nous référons en l'occurrence au secteur des semi-conducteurs dans sa globalité. La deuxième catégorie est composée des diffuseurs de l'intelligence artificielle, ceux qui vont la distribuer sous forme de services, d'applications. Il s'agit, vous l'aurez deviné, des éditeurs de logiciels. La troisième se résume aux utilisateurs de ces services. Alors oui, cette vision est un peu schématique puisqu'il va sans dire que les choses sont parfois plus compliquées que ça, les activités de certaines entreprises chevauchant plusieurs catégories. Toutefois, bien que schématique, ce découpage a le mérite de la clarté. Considérons tout d'abord la première catégorie, l'industrie des semi-conducteurs, sur laquelle les investisseurs se sont rués afin de jouer, on l'a dit, les besoins phénoménaux en puissance de calcul de l'IA. Au sein de cette industrie,
on trouve une ribambelle d'intervenants de tous ordres. Des fabricants de galettes de silicium, tels que le japonais Shinetsu ou le français Soitec, des concepteurs de circuits intégrés comme Nvidia, ARM ou Intel, des fondeurs comme GlobalFoundries, des IDM, c'est-à-dire des fabricants de circuits intégrés qui font tout de A à Z, et là on pense aux taïwanais TSMC, aux coréens Samsung ou bien encore aux franco-italiens STMicroelectronics, sans oublier de mentionner les équipementiers comme le néerlandais ASML qui fournit les machines pour produire ces mêmes semi-conducteurs, ou encore les assembleurs comme Foxconn ou les testeurs comme le japonais Advantest. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. En termes de performance, ce fut un peu Nvidia et puis les autres. L'action Nvidia est littéralement partie comme une fusée dans la foulée du lancement de ChatGPT. Elle qui cotait moins de 165$ fin novembre 2022, avoisine les 785$ à l'heure où nous enregistrons cette émission, le 25 février 2024. Cela représente un gain de près de 375% en 15 mois. Les raisons de cet engouement sont simples comme bonjour, Nvidia est las des GPU, des circuits intégrés qui étaient initialement conçus pour accélérer le rendu 3D dans les jeux vidéo. La vélocité des GPU, leur faculté à réaliser des tâches multiples, les ont rendus particulièrement efficaces dans le traitement des données que nécessite l'IA. Les circuits intégrés conçus par Nvidia sont aujourd'hui les plus performants sur le marché, et pour des gens comme Microsoft, Amazon, Google et consorts, qui se livrent à une course à l'armement féroce dans l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de mégoter sur les prix. Il faut prendre de vitesse les compétiteurs. Et s'il faut arracher à prix d'or des circuits intégrés aussi performants, ainsi soit-il. À côté des 375% de hausse de Nvidia, les performances des autres acteurs de l'industrie semblent plus palottes. Néanmoins, leur parcours boursier s'avère en réalité plus qu'honorable. Entre le lancement de ChatGPT et le 23 février 2024, AMD s'est adjugé 127%, Marvell Technologies et Micron Technologies ont vu leur capitalisation progresser respectivement de 46 et 51%, Intel de son côté s'est adjugé 43%, TSMC 42%, quant à Shinetsu, il a signé un gain de plus de 60%. Bon, à la vue de ces chiffres, chacun est en droit de se dire que finalement les choses sont assez simples. Il faut miser sur les semi-conducteurs pour surfer sur la vague de l'intelligence artificielle. La question est donc de savoir, primo, si continuer à acheter le secteur n'est pas la meilleure façon de jouer le développement inexorable de l'IA, et deuxio, si Nvidia est aujourd'hui encore la valeur des semi-conducteurs à jouer en priorité. En bourse, il faut parfois se méfier des raisonnements trop simplistes. L'IA est certes une branche de forte croissance pour les acteurs des semi-conducteurs, mais pas pour tous, puisque seuls ceux capables de concevoir ou produire les circuits intégrés les plus puissants sont invités dans la danse. Autre point à garder en tête, si l'intelligence artificielle est un superbe relais de croissance, elle n'est pas forcément la première composante du chiffre d'affaires de nombreux groupes, loin s'en faut même, pour la majorité d'entre eux. Une grande partie des revenus dans le secteur dépendent des marchés de l'automobile, du PC ou des smartphones. STMicroelectronics, Infineon ou Texas Instruments sont exposés au cycle industriel des biens de consommation. Le retournement conjoncturel dans l'industrie, le ralentissement du marché automobile et des ventes de voitures électriques, très gourmandes en composants, ont du reste pesé sur les résultats en 2023. Qui plus est, la réalité du marché pour l'un n'est pas forcément celle du voisin. TSMC, par exemple, s'attend à un retour de la croissance de son chiffre d'affaires précisément grâce à l'intelligence artificielle, tandis que SMIC anticipe une stabilité de son activité en 2024. Tout cela pour dire que la performance opérationnelle des acteurs des semi-conducteurs est multifactorielle et que seule une poignée d'entre eux peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu. Les semi-conducteurs ne sauraient donc être joués les yeux fermés. Bon, très bien, mais Nvidia dans tout ça ? Premier constat, Nvidia écrase pour le moment toujours et encore la concurrence. Les prochains trimestres devraient, selon toute vraisemblance, faire le miel de la compagnie et de ses actionnaires. En tout état de cause, les chiffres publiés par Nvidia ont montré que pour le moment, le groupe a tout bon. Nvidia a jusqu'ici présenté de loin les meilleurs produits, les plus puissants, ceux que tout le monde s'arrache et sans lesquels on ne peut pas envisager une IA performante. La demande des composants conçus par Nvidia a été si forte qu'elle a entraîné la pénurie, si bien que même Microsoft, selon certaines sources,
a du courant 2023 rationné entre ses différentes équipes l'accès en interne aux serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Et les prix des cartes graphiques de Nvidia sont partis vers les cimes, certaines se vendant plus de 40 000 dollars l'unité sur eBay. L'impact sur l'activité et les résultats de Nvidia lors des derniers trimestres a été stratosphérique. Sur un an, les ventes ont bondi de 101,5% au deuxième trimestre, de 205% au troisième trimestre et de 265% au quatrième trimestre du dernier exercice, trimestre au cours duquel le chiffre d'affaires a atteint 22,1 milliards de dollars contre 6 milliards un an plus tôt. Le résultat du dernier trimestre de 2023 a quant à lui explosé de 768% à 12,2 milliards de dollars alors qu'il n'était que de 1,4 milliard 12 mois auparavant. La marge brute atteint le chiffre indécent de 76% contre 66% un an plus tôt. Sur l'ensemble de 2023, le chiffre d'affaires totalise près de 61 milliards de dollars, soit une progression de 126% par rapport à l'année d'avant. Quant au résultat net annuel, il frôle les 30 milliards de dollars alors qu'il s'établissait à 4,4 milliards en 2022, soit une progression de 580%. Excusez du peu. Tout cela est époustouflant, mais la question est de savoir si Nvidia s'achète encore aujourd'hui, si Nvidia peut encore doubler et si le couple rendement-risque est toujours aussi attrayant. Déjà, au plan opérationnel, que peut-on dire? Jensen Huang, le patron de Nvidia, a plus que rassuré quant aux perspectives. Le pic du business n'a pas été atteint à l'en croire. Pour le trimestre en cours, Nvidia s'attend à gagner 5,41 $ par action, soit une augmentation de près de 400% par rapport au premier trimestre 2023. Nvidia s'attend aussi à enregistrer un chiffre d'affaires en progression sur un an de 230% à 24 milliards de dollars, des prévisions qui dépassent celles des analystes. Donc, pas d'inquiétude pour le trimestre en cours. Mais surtout, Jensen Huang estime que les conditions sont réunies pour une croissance continue de 2024 à 2025 et même au-delà. Il considère en outre que la demande restera supérieure à ce qu'il pourra fournir, une bonne nouvelle pour les prix de vente. La demande sera soutenue par deux tendances de fond. Petit 1, les besoins en puissance de calcul de l'IA générative qui croissent toujours davantage, on en a déjà parlé en long et en large, pas besoin d'y revenir. Petit 2, la transition vers l'informatique accélérée. L'informatique accélérée consiste à utiliser du matériel spécialisé comme les GPU de Nvidia pour effectuer des tâches spécifiques plus efficacement que les CPU, Central Processing Units, c'est-à-dire les processeurs traditionnels que l'on trouve notamment dans les PC. Au plan opérationnel, le groupe semble donc dans la meilleure configuration possible pour continuer à performer au cours des mois et des années qui viennent. Toutefois, doit-on en conclure que les choses seront aussi faciles qu'elles l'ont été au plan boursier? Ce que l'on peut déjà dire, au risque de surprendre, est que la valorisation n'est pas forcément le problème. Certes, en instantané, Nvidia affiche un PE, c'est-à-dire un ratio cours-bénéfice de 65, ce qui veut dire que le cours de Nvidia représente 65 années de bénéfices par action. Cela semble beaucoup, mais procédons à un calcul de coins d'enveloppe. En supposant que le bénéfice par action de chacun des 4 prochains trimestres demeure au même niveau que celui qui était le sien au dernier trimestre, c'est-à-dire de 5,16 $, cela ferait 4 fois 5,16, soit un bénéfice par action annuel de 20,64 $ en 2024. Ce bénéfice par action annuel s'afficherait en hausse de 70% par rapport à ce qu'il était en 2023. Recalculons désormais le PE, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice, en divisant le cours de 785 $ par 20,64 $, on obtient 38. Pour une croissance de 70%, un PE de 38 n'a rien de choquant, sans compter que ce scénario ne prend en compte aucune croissance séquentielle du bénéfice par action de Nvidia. Or, a priori, Nvidia devrait continuer à afficher de la croissance, ce qui veut dire que le PE devrait baisser. La valorisation de Nvidia dans ces conditions n'est pas vraiment le problème. Néanmoins, on est en droit de se demander si le couple rendement-risque de Nvidia n'est pas appelé à devenir un chouïa moins intéressant dans un avenir proche. Pourquoi ? Ce que, petit 1, en annonçant au marché que la croissance serait encore au rendez-vous ces deux prochaines années, Nvidia n'a pas le droit à l'erreur. Les investisseurs ne lui passeront aucun écart au regard de ses niveaux de valorisation, bien qu'il ne soit pas délirant. Petit 2, les gérants ont gavé de Nvidia les portefeuilles de leurs fonds. Ils n'ont guère eu le choix. C'était la condition sine qua non pour rester dans la course face au marché et avoir une chance de faire aussi bien que le S&P 500
dont Nvidia est l'un des poids lourds. Le problème est que les contraintes réglementaires impliquent que la plus grande partie des gestions ne peuvent acheter davantage d'actions Nvidia qu'elles n'en ont déjà. Les règles prudentielles imposent que les fonds ne dépassent pas un certain pourcentage d'exposition à chacune des actions dans lesquelles ils investissent. C'est ce que l'on appelle le ratio d'emprise. Beaucoup sont déjà allés au maximum de leurs possibilités avec Nvidia, ce qui génère du reste des effets de bord. Un certain nombre d'investisseurs se reportent en effet sur d'autres valeurs pour jouer la thématique de l'intelligence artificielle. On a vu ainsi l'action du britannique Arm s'envoler de 12% le jour suivant la publication des résultats de Nvidia. Certains nous objecteront que les particuliers n'ont pas le problème que rencontrent les professionnels et peuvent acheter du Nvidia autant qu'ils le veulent. Tout à fait vrai. Néanmoins, le carcan réglementaire auquel sont assujettis les investisseurs professionnels bride le moteur boursier de Nvidia. Petit 3. La concurrence n'a pas dit son dernier mot. Oui. Avec 80% de parts de marché, Nvidia règne en maître dans la niche des semi-conducteurs haut gamme dont l'industrie de l'IA raffole tant. Oui, le groupe va demeurer un acteur incontournable, c'est certain. Mais il a eu jusqu'à présent un boulevard devant lui. Cela sera sans doute un peu moins vrai à l'avenir. En tout cas, on est en droit de le supposer pour plusieurs raisons. La première est que rester inféodé durablement à Nvidia n'est pas une situation acceptable pour les géants de la tech. Du reste, ces derniers n'ont pas tardé à réagir. Microsoft, Google, Alphabet conçoivent déjà leur propre puce d'intelligence artificielle. Dans le même temps, des rivaux directs de Nvidia tels qu'AMD, ARM et Intel mettent les bouchées doubles afin de combler le retard. À propos d'Intel, justement, on notera que ce dernier a signé un partenariat à 15 milliards de dollars avec Microsoft. Tiens, tiens. Intel fondera des puces spéciales conçues par et pour Microsoft. Nvidia n'est pas aujourd'hui menacée car les premières livraisons ne devraient pas avoir lieu avant 2025. Mais on voit que chacun affûte ses couteaux. Petit 4. La façon d'aborder la problématique de la puissance de calcul est en train d'évoluer. Dans un premier temps, il fallait entraîner des modèles d'IA générative avec des serveurs extrêmement puissants que seuls les GPU, les cartes graphiques de Nvidia, pouvaient faire tourner. Mark Zuckerberg a d'ailleurs confié que l'infrastructure de Meta pour l'intelligence artificielle reposera d'ici fin 2024 sur 350 000 cartes graphiques H100 de Nvidia. Autour de 25 000 $ l'unité, ça fait un joli budget. Mais maintenant, l'IA, au dire des spécialistes, prend un nouveau virage, celui des inférences. C'est-à-dire que l'IA rentre dans la phase où le modèle, après avoir été entraîné, peut, par lui-même, analyser des données nouvelles et en tirer ses propres conclusions. Cela signifierait qu'une partie des besoins vont par conséquent se déporter des puces de serveurs aux puces moins puissantes insérées dans les smartphones, les PC ou les ordinateurs portables. Des puces que les Apple, Microsoft ou Samsung dessinent et conçoivent d'ores et déjà. Ce mouvement est d'autant plus certain que les constructeurs de PC et de smartphones ont tout intérêt à localiser des puces IA directement dans leurs appareils. Cela inciterait sans doute les consommateurs à renouveler leurs machines, de quoi redonner un coup de boost aux ventes d'édits PC et smartphones. Petit 5. Nvidia a beau être très confiant dans sa capacité à maintenir son hégémonie, il n'en demeure pas moins que les technologies évoluent, et que plus le temps passe, plus le bouillonnement technologique actuel a de chances de déboucher sur des ruptures. Il n'est pas dit que les références d'aujourd'hui soient celles de demain. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'IA, mais pour ne donner qu'un exemple, la start-up Grok fait un peu de bruit en ce moment dans le landerneau informatique et elle agite les réseaux sociaux. Grok propose un moteur d'inférence éponyme. Un moteur d'inférence, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas confondre un moteur d'inférence avec un chatbot du type ChatGPT. Un chatbot est un programme informatique qui simule une conversation avec un utilisateur humain. Un moteur d'inférence est lui aussi un programme informatique, mais utilise des techniques d'apprentissage automatique pour analyser des données brutes et en extraire des connaissances utiles. Il peut ensuite exploiter ces connaissances pour prendre des décisions, générer des prédictions ou effectuer d'autres actions. On peut comparer un moteur d'inférence au cerveau d'un chatbot. Il est le centre nerveux tandis que le chatbot est l'interface qui communique avec les pauvres humains que nous sommes. Le moteur d'inférence ne remplace donc pas le chatbot mais lui permet de fonctionner à des vitesses incroyablement rapides. Et c'est là que Grok commence à faire du bruit. Actuellement, Nvidia, on l'a dit, domine le marché de l'IA avec ses GPU.
Les GPU de Nvidia sont polyvalents et peuvent être utilisés pour diverses tâches d'intelligence artificielle, y compris l'inférence. Grok s'attaque spécifiquement à la tâche d'inférence, qui représente une partie importante du marché global de l'IA, et prétend offrir une meilleure efficacité énergétique et des coûts inférieurs pour cette tâche précise. Si cela se confirme, Grok peut espérer détourner une partie de la clientèle de Nvidia pour des applications nécessitant des inférences rapides et efficaces. Par ailleurs, même si Grok ne remplace pas complètement les GPU de Nvidia, sa concurrence pourrait inciter d'autres acteurs à développer des technologies alternatives, mettant davantage de pression sur le marché et poussant Nvidia à innover plus rapidement pour maintenir sa position. Encore une fois, nous n'affirmons pas que Grok va supplanter Nvidia demain matin, ni que ce dernier ne saura pas s'adapter. Nvidia dispose d'atouts considérables, ses investissements massifs dans la R&D, la diversification de ses activités et la force de sa marque. Le buzz autour de Grok est en revanche une bonne illustration de la montée de la concurrence via l'innovation technologique. Et quand on parle de concurrence, un autre sujet d'attention se profile pour Nvidia et les poids lourds des semi-conducteurs, la montée en puissance de la concurrence chinoise. Et ça, beaucoup ne l'avaient pas vu venir. C'est notre petit 6. N'enterrez pas trop vite les Chinois. Les restrictions aux importations vers la Chine de composants ou de machines-outils sophistiquées n'ont pas empêché le fabricant de smartphones Huawei de sidérer les autorités américaines fin 2023 avec la sortie d'un nouvel appareil équipé d'une puce de 7 nanomètres, la Kirin 9000S, qui affiche des performances équivalentes à des puces Qualcomm d'un ou deux ans plus vieilles. Une performance d'autant plus remarquable qu'a priori SMIC, le partenaire industriel de Huawei, n'a pu produire ses puces de très bon niveau que sur des machines-outils assez vieilles. Huawei est la preuve que la Chine n'a pas dit son dernier mot. Parviendra-t-elle à combler totalement son retard et à se doter d'une industrie capable de produire les puces les plus sophistiquées? Nul ne détient pour le moment la réponse. Mais les semi-conducteurs sont une priorité stratégique, voire vitale pour la Chine. Pékin a décidé de mettre les moyens qu'il fallait pour devenir autonome. La hausse spectaculaire du financement public de Huawei en 2022 en témoigne. Et quand un État aussi puissant que la Chine alloue les ressources nécessaires à son ambition, la possibilité de parvenir à ses fins n'est pas nulle. Pour en revenir à Nvidia, Nvidia demeure un groupe remarquable, mais il ne sera plus seul au monde et la route sera moins dégagée. Avec le niveau de valorisation qui est le sien, qui, sans être excessif, intègre tout de même beaucoup de bonnes nouvelles, la moindre déception se paiera cash. On en revient à la dégradation du couple rendement-risque. Un autre facteur à prendre en considération pour l'ensemble du secteur, et bien que cela ne soit pas pour tout de suite, c'est le développement des capacités de production. Le Wall Street Journal a rapporté que le gourou de l'intelligence artificielle, Sam Altman, qui n'est autre que le patron d'OpenAI, chercherait à lever entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars, soit 2,6 fois le PIB annuel de la France. Et cela pour transformer l'industrie des semi-conducteurs et anticiper les besoins énormes de composants liés au développement de l'intelligence artificielle. La rigueur qui nous caractérise nous oblige cependant à dire que depuis, certains médias ont nuancé l'article du Wall Street Journal en prétendant qu'Altman ne chercherait pas à lever 7 000 milliards de dollars et que cette somme n'était qu'une estimation des besoins de financement totaux pour le développement de l'IA. On remarquera toutefois qu'Altman n'a ni affirmé ni confirmé et qu'il a bien approché de gros investisseurs moyen-orientaux. Quoi qu'il en soit, même si le papier du Wall Street Journal disait vrai, on peine à voir comment Altman parviendrait à réunir une telle montagne d'argent. Néanmoins, des intentions sont affichées et une tendance se dessine. Des investisseurs sont sollicités pour financer de nouvelles capacités de production de circuits intégrés. Pour l'industrie des semi-conducteurs, cela a du bon et du moins bon. Le bon est que dans un secteur hautement capitalistique, c'est-à-dire qui requiert beaucoup d'investissements, beaucoup de capital, avoir des investisseurs prêts à financer vos usines revient à abaisser votre coût du capital et du coup revient à potentiellement améliorer votre rentabilité. Le moins bon pour le secteur est que de plus en plus de capacités de production de semi-conducteurs verront le jour, alors que les partenariats entre fabricants et concepteurs d'IA se multiplieront. Encore une fois, cela rime avec davantage de concurrence et avec des surcapacités potentielles, et donc avec des prix qui baissent. De nouveau, il ne s'agit pas de dire que Nvidia ou le secteur des semi-conducteurs sont à jeter à la poubelle. Mais,
que le cas d'investissement se complique quelque peu et qu'il n'est plus à jouer les yeux fermés, surtout que les valorisations commencent à être correctes. En somme, le couple rendement-risque est moins favorable qu'il y a quelques mois, et l'on ne parle ici bien que de couple rendement-risque. Donc, conserver les titres Nvidia sur les niveaux actuels, pourquoi pas? Est-ce que rentrer sur la valeur aux niveaux actuels est la bonne option? Cela se discute. Peut-être y a-t-il mieux à faire au regard de ce couple rendement-risque. À ce titre, est-ce que le meilleur couple rendement-risque dans les trimestres qui viennent n'est pas à rechercher du côté de la deuxième catégorie d'acteurs de l'intelligence artificielle, à savoir les diffuseurs de l'IA que sont les éditeurs de logiciels? Nous ne sommes pas loin de le penser. Le pari n'est absolument pas encore gagné, mais il offre sans doute le plus de leviers dans les trimestres à venir. Et cette opinion, d'autres la partagent. L'intérêt que suscite Microsoft chez les investisseurs en témoigne. Depuis le lancement de ChatGPT auprès du grand public fin novembre 2022, ChatGPT qu'il a lui-même contribué à financer, Microsoft s'est adjugé grosso modo 60%. C'est pas le fruit du hasard. Si un producteur de matières premières, à savoir de circuits intégrés comme Nvidia ou TSMC, est évidemment un acteur capital de la thématique de l'IA, que dire d'un éditeur de logiciels qui déploie toute une gamme de services permettant aux entreprises et aux particuliers de s'approprier l'intelligence artificielle et de l'utiliser au quotidien? Et puis, les éditeurs créent la demande, avec une offre de plus en plus riche et diverse, qu'il s'agisse de solutions d'automatisation des tâches, d'analyse prédictive, de prise de décision, de création ou de génération de contenu, ou encore de solutions de chatbots et d'assistants virtuels. Selon Statista, le seul marché de l'IA générative, c'est-à-dire de l'IA capable de générer du texte, des images ou d'autres médias sur demande, frôlera les 900 milliards de dollars dans 6 ans, pour dépasser les 1300 milliards 2 ans plus tard, en 2032. Dans le domaine de l'édition de logiciels pour l'intelligence artificielle, 3 groupes se taillent actuellement la part du lion. Microsoft, IBM et Google avec 50% des ventes selon IDC, qui voit du reste le marché dans sa globalité progresser à un taux annualisé de 31,5% d'ici 2027. Microsoft est aujourd'hui le leader avec une suite complète de solutions d'IA et il peut s'appuyer sur Azure, sa plateforme cloud dédiée. Alphabet, via Google Cloud Platform, offre une large gamme de services d'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance d'images, la traduction automatique et le machine learning. IBM, de son côté, avec IBM Watson, se concentre sur les solutions d'IA pour les entreprises, notamment dans les domaines de la santé, de la finance et de la chaîne d'approvisionnement. Mais Amazon est loin d'être hors course. Amazon Web Services propose un large éventail de services d'IA utilisés par de nombreuses entreprises pour développer et déployer des applications d'IA dans le cloud. Le succès financier des éditeurs de logiciels dépendra de leur aptitude à proposer des solutions véritablement efficientes et à fixer des prix qui ne seront pas dissuasifs. Si Microsoft, pour ne prendre que lui, parvient à faire payer un supplément de quelques dizaines de dollars par mois et par utilisateur pour disposer d'une option IA dans le pack Office, le retentissement sur sa valorisation peut être gigantesque. Sachant que Microsoft Office 365 est utilisé par plus d'un million d'entreprises, capte 46% du marché des suites bureautiques et est utilisé par plus de 350 millions de personnes. D'où l'importance de l'introduction d'une nouvelle touche sur les nouveaux claviers PC, une touche qui permettra de lancer directement Copilot, l'assistant intelligent de Microsoft, désormais intégré à Windows 11. L'évangélisation et la conversion au service d'IA par le clavier, c'est simple et potentiellement très efficace. Par ailleurs, on pressent que la prime à la taille ne sera pas qu'une vue de l'esprit. Alphabet, Microsoft, IBM et Amazon ont, à eux quatre, d'ores et déjà investi environ 75 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Et ils ont déjà budgété 220 milliards d'investissements supplémentaires ces prochaines années. Les investissements à réaliser pour être dans la course sont considérables, on le voit, et les groupes les plus riches sont bien évidemment les mieux armés pour rester en lice. Par ailleurs, seul un nombre restreint de personnes disposent des compétences techniques pour développer l'intelligence artificielle. La profondeur de poche des géants de la tech leur permet de s'assurer leurs services. C'est une nouvelle barrière à l'entrée pour la concurrence. Bref, le marché des éditeurs de logiciels spécialisés dans l'IA présente un gigantesque potentiel de croissance. La concentration du marché vers un oligopole, avec Microsoft, IBM et Google en tête, érige des barrières à l'entrée qui assurent aux groupes cités d'être parmi les principaux bénéficiaires de la diffusion de l'IA.
Oligopole veut dire moins concurrence et capacité pour ces entreprises à piloter leurs prix et maintenir des marges particulièrement élevées. Il faut cependant rester lucide. Beaucoup de choses restent indéniablement à faire pour que le scénario esquissé ici devienne réalité. Sur les 30% de croissance de chiffre d'affaires enregistrés lors du dernier trimestre par Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft, seuls 6% étaient imputables à l'IA. Certes, c'est deux fois mieux que lors du précédent trimestre, mais c'est aussi la preuve que la route est encore longue. Néanmoins, dans une perspective de moyen terme, l'effet de levier de l'IA peut jouer à plein dans les résultats des éditeurs de logiciels. Le couple rendement-risque paraît assez intéressant pour qui accepte d'inscrire son investissement dans la durée. Venons-en à présent à la troisième catégorie que nous avons identifiée, les utilisateurs. Dans l'hypothèse où l'intelligence artificielle constitue un véritable avantage concurrentiel, elle nécessitera de lourds investissements de la part des entreprises pour rester dans la course, ce qui renforcera la position dominante des fournisseurs de solutions évoquées un peu plus tôt. Alors oui, c'est vrai, on fait miroiter de forts gains de productivité aux entreprises grâce à l'IA. Mais à qui ces gains de productivité seront-ils distribués? Une partie de ces gains, on peut l'imaginer, iront à certains salariés, notamment ceux de la tech. Mais ils se traduiront aussi par des réductions d'effectifs dans pas mal de secteurs d'activité. Conséquence, si les salariés ne sont pas dans leur globalité les principaux bénéficiaires, on peut dès lors imaginer qu'une bonne partie des gains de productivité aillent aux actionnaires. Mais en fait, c'est pas si évident, car la diffusion de l'intelligence artificielle risque fort d'exacerber la concurrence et donc d'exercer une pression sur les prix, notamment de certains services, ce qui ne sera pas favorable aux marges. Tout cela pour dire qu'il est bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives dans ce domaine. Mais on perçoit déjà que les choses ne seront pas simples et que toutes les entreprises ne seront pas gagnantes. Alors, maintenant que nous avons essayé de faire un point assez complet de la situation, voici le moment que vous attendez tous, la synthèse. Que dire? Eh bien, l'IA va rester bien évidemment une thématique recherchée en bourse. Cependant, il faut garder en tête qu'elle aura davantage de chances, selon nous, de surperformer le reste du marché si les inquiétudes quant à la croissance et le manque de visibilité demeurent. Peut-on parler de bulle de l'intelligence artificielle? De notre point de vue, non, car les taux de croissance sont tels que les multiples de valorisation décroissent très vite. En revanche, petit aparté, bien qu'il soit bien trop tôt pour être définitif à ce sujet, le risque est peut-être celui d'une bulle au niveau des investissements, notamment du côté des utilisateurs, car les gains finaux pour les entreprises sont difficiles à évaluer. Les investissements pour passer à l'IA en vaudront-ils réellement la chandelle? Eh bien ça, on le verra dans les mois et les années qui viennent, mais on pourrait avoir des surprises. Au sein de la thématique maintenant, les lignes de force sont, encore une fois, de notre point de vue, appelées à évoluer et les couples rendement-risque les plus favorables de demain ne seront pas forcément ceux d'hier. Nvidia, puisqu'il faut bien en parler, demeure un acteur incontournable du secteur, une entreprise superbe et tout devrait bien se passer pour elle dans les prochains trimestres, mais son parcours boursier sera peut-être moins stratosphérique. En outre, vous l'avez compris, nous avons tendance à penser que des positions sont à prendre sur les éditeurs de logiciels, dès lors que l'on se donne un peu de temps. Dernier point, vous aurez sans doute remarqué que nous n'avons pas mentionné Apple lors de cette émission. Ce n'est pas un oubli. Nous reviendrons sur la marque à la pomme dans une émission réservée à nos abonnés, émission dans laquelle nous essaierons de lister et d'analyser un certain nombre de cas d'investissement éventuellement intéressants pour jouer la thématique de l'IA. N'oubliez pas de vous abonner justement pour accéder à ce contenu exclusif. Vous pouvez le faire via le lien disponible dans la description ou inséré en haut à droite de la vidéo. Dites-nous par ailleurs en commentaire quel groupe vous voyez se mettre en évidence dans la thématique de l'IA ces prochains mois. Dites-nous quel potentiel vous voyez encore à Nvidia. Dites-nous aussi si vous voyez les éditeurs comme une option d'investissement intéressante dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et puis, eh bien, si cette émission vous a plu, ne manquez pas de nous le dire dans les commentaires, de la partager, de mettre un pouce vers le haut. Et pour nous soutenir, vous pouvez également vous abonner pour être averti dès que nous postons une nouvelle émission. Voilà, c'est fini. Nous, on vous dit à très bientôt.